na batela mpaka ya yo Bisika biso na kokende na zala mokengeli malamu Fokisi motongwa mokengeli pote na batela mpaka ya yo Bisika biso na kokende na zala mokengeli malamu Le 28 mars 1928, sous l'égide de Mgr Sylvain Van Hy. Au long des années, le vicariat va s'étendre sous le bassin de la rivière Kwango et vers l'ouest jusqu'à la rivière Inkisi Nzarimalao. De 1921 à 1931, les limites originales de la préfecture furent élargies jusqu'au Kasaï et à la Loango.
mais la partie centrale, mission du PAMU, annexée à la préfecture apostolique du Kouango, sera cédée aux missionnaires oblats de Marie Immaculée. Le 1er avril 1931, le reste du territoire rentré dans les limites originales fut subdivisé en deux vicariats apostoliques, le vicariat de Kisantu et le vicariat du Kouango, devenu Kikwit. En 1955, le vicariat de Kisantu fut confié à Mgr Alphonse Verwimp, qui sera le premier évêque de Kisantu de 1931 à 1959. L'histoire du diocèse de Kisantu est liée à celle de la FOMULAC, celle de la première université du Congo, ouverte à Kisantu en 1954. On ne peut pas non plus parler de Kisantu sans évoquer son très célèbre jardin botanique, le premier jardin botanique d'Afrique centrale, créé en 1900 par le père Justin Gillet, jésuite. On ne peut pas non plus parler de Kisantu sans évoquer les grandes écoles, dont le grand séminaire de Mayidi, le petit séminaire de Lemfou, le collège moderne scientifique, aujourd'hui Koubama, le collège Notre-Dame et le pensionnat de Mbansamboma, le collège Saint-Pierre, ici à côté, qui Kisantu doit aussi sa renommée à son grand centre hospitalier, actuellement l'hôpital Saint-Luc, sans oublier la célèbre croix de Mbatakulunsi, la trace mystérieuse du pied de l'inconnu et l'épée plantée au milieu de Nzarimalao, dans la paroisse de Ngidinga. Le vicariat de Kisantu sera érigé en diocèse le 10 novembre 1959. Il tient sa superficie actuelle de 31 000 km² à la création du diocèse de Popocabacá en 1961. Le diocèse de Kisantu couvre pratiquement tous les districts de la Lukaya, comprenant les trois territoires ruraux de Kasangulu, Madimba et Kimvula, ainsi que la zone périphérique ouest de la ville-province de Kinshasa. De 1959 à ce jour, le diocèse de Kisantu a connu quatre évêques: Mgr Alphonse Verwimp, Mgr Pierre Kimbondo, premier évêque congolais, nommé évêque auxiliaire en 1956, puis titulaire en 1961 et exercera son mandat jusqu'en 1973. Il a aussi été archevêque honoraire. Mgr Antoine Mayala, évêque coadjuteur en 1971 et titulaire en 1973 et exercera son ministère jusqu'en 1900. Par la rivière Ngouliabaka depuis son embouchure sur le fleuve Congo, Sassa et le diocèse de Matadi. De la source de la Founa à l'embouchure de la rivière Kinshasa et Popocabacá par les rivières Mbombo, situées en grande partie à l'extrême nord-est de la ville, à l'ouest, entre les deux diocèses, situées sur la rive gauche de la rivière Inkissi, les historiens pourront me consulter pour avoir la source. Et enseignant au séminaire préparatoire Cardinal Maloula, vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Il est nommé en juin 2022, évêque de Kisantu. Je vous remercie.
Bungangi Bato Ndama, Bungangi Betukulu. De la foi. Lui qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit. Nzila Kumi, et tu dis qu'il y a Nzila Kumi et Tatu, na Mokanda ma prophète Daniel, oeteni ya sambo. Molongo mwalibwa, kino mwalibwa zomi, bakisa mwalibwa zomi na misato, kino mwalibwa zomi na minei. Na le même ya pizza de tozali kolanda. Thank you.
sato tanga una kapu kivwa ndila makumo de nana yekuna ndila makuma tatu yesambanu Luc chapitre 9 du verset 28 jusqu'au verset 36. Priez de vous asseoir. Yohani Ezaki ye utombuka kuna mongo mukusamba muntangu yina kakala mukusamba kala impolwani isobuka ye mvua tunyani nikituka mimpembe ye mintienti ye tala bantu bole bakala mukuyambila yeyani bantu bana bakala Moise ye Elia bamonia yenkembo bakala mukogila mambu manzie tukani kuna Yerusalem Petelo yembwadizani kutolu bakala kanti bubavumbuka bamona nkembo Yesu ye bantu bole bana bakala yani buna muntangu yina bantu bagamba na ye Yesu Petelo untela emfumu bumbote kwani wotukalanga kweto kuku tutunga tufumba tutatu luna mudiamudingeye luna luzole mudiamudi Moise ye luna lutatu mudiamudi Elia kakesi bakisako mana kakesi samunanga muntangu yina kakesi woranga mumpila yina tutidimosi disibakika bonga bubabaka muntangu yina bakota kuna ye kuwaka nandi ngaituka kuna tuti ye isamuna yuna mwanamo yuisolele lumwila munantangu yina ndinga itatula Yesu usasadi yani kaka nlongoki milunda mana na popi munambundu ministre de la justice représentant personnel du chef de l'état Monsieur le gouverneur de province et toutes les autorités politico-administratives, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Excellence Messeigneur archevêque et évêque, chers prêtres religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je célèbre cette Eucharistie en action de grâce à l'occasion de la fête de la transfiguration du Seigneur. Je suis heureux, très heureux, de me retrouver ici avec tous mes frères, les évêques, pour communier à la joie du peuple de Dieu qui est ici à Kisantu. Ce peuple de Dieu qui accueille avec allégresse et gratitude son nouveau pasteur, son Excellence,
Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, qui était jusque-là évêque auxiliaire de Kinshasa. Désormais, il est évêque de Kisangani. Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni succède ainsi à son Excellence Monseigneur Fidèle Sielele, évêque émérite de ce diocèse de Kisantu, qui est en ce moment uni à nous dans la prière depuis l'Europe, où il séjourne pour raison de santé et à qui nous renouvelons l'expression de notre gratitude pour ce qu'a été son action pastorale au milieu de nous pendant de longues années dans ce diocèse de Kisantu. Frères et sœurs dans le Seigneur, au moment où Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni prend possession canonique du siège épiscopal de Kisantu, je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu pour l'expérience pastorale qu'il m'a permis de vivre au milieu de vous dans ce diocèse de Kisantu en ma qualité d'administrateur apostolique. Je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce de visiter quasiment toutes les paroisses du diocèse et beaucoup de communautés religieuses. La seule paroisse que j'ai le regret de n'avoir pas visitée, c'est la paroisse de Masikela à cause de la route. J'espère que dans les années à venir, le Seigneur me donnera la grâce de visiter la paroisse de Masikela. Je renouvelle ainsi ma profonde reconnaissance au très Saint-Père, le pape François, pour cette marque de confiance. De même, je le remercie pour sa sollicitude toute particulière à l'égard de l'Église particulière de Kisantu, à laquelle il vient de donner un nouveau pasteur. Je prie donc Son Excellence Monseigneur le Nonce apostolique, ici présent, de transmettre au très Saint-Père toute notre gratitude. Dans le même élan, je suis reconnaissant à l'égard de tous les prêtres, toutes les personnes consacrées, religieux, religieuses, et tous les fidèles laïcs du diocèse de Kisantu pour leur collaboration et leur participation active et généreuse à la pastorale d'ensemble. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous fait comprendre le sens du mystère de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Dieu veut un monde transformé et transfiguré. Dieu veut des hommes et des femmes au cœur purifié et renouvelé, resplendissant de la clarté de la gloire de son Fils Jésus-Christ. Des ténèbres de nos vies, Dieu nous fait passer à la clarté de son admirable lumière. Désormais, nous sommes devenus de par notre baptême
des fils et filles de la lumière, appelés à répandre et à refléter autour de nous la clarté du Seigneur transfiguré. Dans la première lecture, le prophète Daniel contemple dans une vision un vieillard dont le vêtement est blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine immaculée. Ceci est le symbole de la pureté et de la sainteté même des dieux représentés ici par ces vieillards. Ainsi, l'Église tout entière, chacun de nous est ainsi appelé à une telle sainteté et à une telle pureté qui nous font rapprocher de Dieu. Toujours dans la même vision de Daniel, le prophète perçoit comme un fils d'homme qui se tient devant ces vieillards. L'expression « fils d'homme » est ici la préfiguration même du Christ qui reçoit de Dieu son Père, domination, gloire et royauté sur toutes les nations et toutes les langues. Son règne est un règne éternel qui dissipe toutes sortes de ténèbres et fait briller la lumière de Dieu. Dans l'évangile du jour, Saint Luc décrit ce qui s'est passé sur le mont Tabor, où Jésus s'est rendu prier, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, à savoir la transformation du corps du Christ revêtu d'une grande lumière et la confirmation de la filiation divine par une voix venant du ciel. Deux autres serviteurs de Dieu, Moïse et Élie, se sont joints au Christ pour être le témoin de ce merveilleux événement. En outre, faisant remarquer que le visage du Christ était apparu tout autre et que ses vêtements étaient devenus d'une blancheur éclatante, Saint Luc nous fait l'écho d'une voix qui s'est fait entendre de la nuée, attestant la filiation divine du Christ. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Luc 9, 35. Jésus est donc le Fils éternel du Père. Il est l'élu de Dieu. C'est lui qu'il faut écouter aujourd'hui et c'est à lui seul qu'il faut obéir. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le même Seigneur transfiguré qui appelle et choisit aujourd'hui son serviteur, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, pour paître son troupeau qui est ici dans l'église particulière de Kissan. C'est lui qui l'établit comme son pasteur propre aussi. Je vous exhorte tous et toutes à lui ouvrir largement vos cœurs et à l'accueillir avec joie comme votre pasteur. Aux prêtres et aux consacrés du diocèse de Kisantu, je demande l'attachement filial à votre nouveau pasteur, qui est pour vous et qui sera toujours pour vous un père. Soyez unis à lui et apportez-lui de bon cœur la collaboration qu'il attend de vous.
à vous tous, chers fidèles du diocèse de Kisantu. Vous avez le devoir d'être unis à votre évêque par les liens de charité et de piété filiale. Aimez donc votre pasteur et priez sans cesse pour lui, que le Seigneur lui-même a choisi pour vous conduire et pour veiller sur vous comme un bon berger. Soutenez son action pastorale et aidez-le à porter sa charge jusqu'au bout. Rien ne doit freiner l'enthousiasme que vous avez commencé à manifester depuis sa nomination, qui s'est vérifiée hier dès son arrivée lors de la cérémonie d'accueil. Que cet enthousiasme puisse continuer jusqu'au bout. À vous, chers frères, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, avec qui j'ai eu la joie et le bonheur de collaborer en votre qualité d'évêque auxiliaire de Kinshasa. Je voudrais ici vous exprimer toute mon affection et tout mon soutien pour cette nouvelle charge que vous recevez à partir d'aujourd'hui dans le diocèse de Kisantu. À la suite de l'apôtre Saint-Pierre, je vous dis, paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur. 1 Pierre 5, 2. Mais comment paître le troupeau de Dieu qui est à Kisantu sans l'aimer? C'est pour ce peuple que le Seigneur... Moi, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kikane, avec une foi ferme, je crois et je confesse tout collectivement et individuellement ce qui est contenu dans le symbole de la foi, c'est-à-dire je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une,
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je crois aussi avec une foi ferme toutes les choses qui sont contenues dans la parole écrite de Dieu ou dans la tradition et qui ont été proposées par l'Église dans un jugement solennel, soit dans le magistère universel et ordinaire, comme divinement révélé et qui doit être cru. J'embrasse aussi fermement et je garde tout ce qui, collectivement ou individuellement, en ce qui concerne la doctrine de la foi et de la morale, est définitivement proposé par la même autorité. J'adhère aussi avec une obéissance religieuse à la volonté et à la foi aux doctrines que soit les pontifes romains, soit les collèges des évêques prononcent quand ils exercent les magistères authentiques, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer dans un acte définitif. Serment de fidélité. Moi, mon Seigneur Jean-Crispin Timbénikikane, en prenant la charge d'évêque diocésain de Kisangani, je promets de toujours garder la communion avec l'Église catholique, soit dans les paroles que je dirai, soit dans les actes que je poserai. Avec grande diligence et fidélité, j'accomplirai les tâches dont je tiens le devoir que j'ai en ce qui concerne l'Église, soit l'Église universelle ou une Église particulière dans laquelle j'aurai été appelé à exercer mon service selon les prescriptions de la loi. Dans l'accomplissement de la tâche qui m'a été confiée au nom de l'Église, je garderai intact le dépôt de la foi, je l'exercerai fidèlement et je le défendrai. J'éviterai toutes les doctrines contraires à ce. Évêque de Kisantu, en t'accordant tous les droits et en t'imposant toutes les obligations qui correspondent à cette charge conformément au droit canonique. C'est notre souhait que tu informes de cette lettre le clergé et le peuple de Dieu que nous invitons instamment à l'estime, à l'affection et à une entreprenante collaboration avec les nouveaux pasteurs. Enfin, vénérable frère, au moment où nous te confions et avec toi l'ensemble des fidèles à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'exhortons à exercer avec sérieux et esprit de miséricorde ta charge pastorale, conformément à l'enseignement de l'Église notre Mère, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut du monde. Matthieu 20, 28. Donné à Rome à Saint Jean de Latran le 11 juin de l'année du Seigneur 2022, la dixième de notre pontificat. François.
Maboko makasi. Qui est ce Tonina? Son éminence va procéder à la remise de la crosse et du siège. Bungangi, Tata Piscopo Jean Crispin Kimbeni, Sekatambula Kimfumukiani, Muntambula Yibidimbu, Inkao Wukimfumu, Ye Kiti Kien Kikavonda Mukusane Katomadiati Saki Saluku Diocese de Tutomalanda. Diatila bampangi babena ebitunga bataluta mukutambula kabudilu yidigidingi thank you.
les évêques, plus particulièrement Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, qui en ce jour prend la charge du diocèse de Kisantu, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Sont en dehors de l'Église et en ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière du Christ transfiguré. Prions le Seigneur. Ebongi sebongo, totondo yo botondi,
Mikolomiso, Pebisika biso, Wana mosala mwabiso, Pelibikira biso. Nzambe wa bokasi bonso mpe wa lobiko ebongi totondo yo po ya Kristu mokonzi wa biso. Nankembo, o miso mabaye ye moko aponi, nzoto ya ye ngengi loko la mwinda, asali bongo, po ya kolendi sabango motema, babete tembete, tango ako wa okuze. Sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. La vie est la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et de notre frère Jean Crespin, qui me bénit, que tu viens de donner comme évêque à cette Église de Guissanto. Le cardinal Fridolin, les évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde. Voici l'agneau des dieux. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Abbé Mokoto. Sans réserve à tout Seigneur, tout honneur, le pourvoyeur de tout, Dieu Tout-Puissant, pour avoir appelé lui-même par son nom à la tête du diocèse de Kisantou. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, par leurs représentants, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Aujourd'hui, le diocèse de Kisantou est pourvu d'un pasteur au nom de Monsieur Jean Crispin Kimbeni Kinkanda. La communauté chrétienne de Kisantou exprime une joie qui fait l'objet d'une grande action de grâce à laquelle je me joins ce jour. Le diocèse de Kisantou, caractérisé par la grande renommée de la gigantesque cathédrale, ses écoles, son hôpital Saint-Luc, son jardin botanique, le grand séminaire de Maïdi, ses figures emblématiques dans les différents domaines, est également le berceau de l'université congolaise. Pour mémoire, c'est à Kisantou qu'a commencé l'université Lovanium. Je saisis également cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux filles et fils de ce diocèse qui ont contribué à forger son image à la bonne réputation de cette dernière. À ce niveau, j'en appelle à tous et à chacun de veiller à la sauvegarde de ses acquis. Oui, Kisantou est un espace de ressourcement spirituel, scientifique et politique. Kisantou, dans l'histoire de notre pays, a plusieurs fois servi de cadre de rencontre de différents esprits et de différentes personnalités autour de questions d'intérêt général concernant aussi bien la nation que la province. Je suis fier d'être moi-même l'un des fruits de Kisantou où j'ai reçu ma formation de médecin. Excellence Monseigneur, évêque du diocèse de Kisantou, vous bénéficiez donc de la grâce de Dieu et de la bienveillance du Saint-Siège pour devenir pasteur d'un si beau diocèse qui vend l'image de notre province au-delà de ses limites administratives. Ma joie déborde en ce que votre épiscopat à Kisantou, j'ai un partenaire de plus
de qui je recevrai le réconfort moral et spirituel dans mes lourdes et délicates fonctions de gouverneur d'une province historique et stratégique. De même, au nom du président de la République qui m'a mandaté de venir en ce lieu, je commence par féliciter l'heureux nominé et surtout remercier toute la communauté de l'accueil que vous nous avez réservé. Je présente en même temps des excuses de la part du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du fait qu'il n'a pas pu se déplacer en dernière minute à cause d'une urgence. Je vous rassure de son attache de ce diocèse, car il a été ici, il a étudié ici et il a passé une partie de sa vie scolaire en ce lieu. C'est pourquoi il m'a demandé de vous le rappeler que c'est un endroit où il était habitué dans le temps. Je voudrais à l'occasion vous dire qu'il m'a remis une enveloppe pour remettre à notre heureux élu l'évêque de Kisantu. Malheureusement, il fallait que je sois accompagné d'un outil de travail, notamment le véhicule qui va lui permettre de pouvoir faire son travail en tant que pasteur auprès de ses fidèles, mais cet outil de travail sera déposé le samedi prochain. Nous invitons le Kosuma, la communauté famille chrétienne, les frères de Saint-Joseph de Kisantu, les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, les sœurs de Sainte-Marie de Matadi, Sainte-Marie de Popokabaka, les frères missionnaires de Jésus, le bon berger, le clergé de Kisantu. La paroisse Sainte-Félicité de Kinshasa, la sous-paroisse de Kimayana, de Kinshasa, l'Écluse, la paroisse Mater Dei, ainsi que les mamans catholiques de Mater Dei. Thank you.
à vous. Me voici. C'est avec ces paroles de grande densité biblique que je me présente à vous, peuple de Dieu qui est à Kisantu. Avant de vous les prononcer, ces paroles, je les ai dites d'abord à Dieu en guise de réponse à l'appel qu'il m'a adressé. Oui, le Seigneur Dieu m'a encore appelé. Il m'a appelé cette fois-ci à venir le servir à Kisantu. Avec joie et foi, je lui ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Lors de ma prise de soutane, avec mes amis de promotion, j'avais chanté à Dieu, avec toi, je veux partir jusqu'au bout de la vie chez mes frères du monde entier. C'est avec liberté et grande disponibilité que je viens ici pour faire la volonté de Dieu. Je viens ici tout entier, avec tout mon être, mon corps, mon âme et mon esprit. J'allais dire, voir mon ombre. Au nom de Dieu, je viens chez vous, qui désormais devient concrètement chez moi. Que je sois béni, car béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu me bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que vous me bénissiez vous aussi. Car celle-ci exprime la nature même de l'Église qui est en chemin, c'est-à-dire en marche vers la Jérusalem céleste. Marchons tous ensemble et dans la même direction en suivant Jésus, le guide et le modèle du troupeau. C'est bien lui le chemin qui nous conduit au Père. Nous connaissons tous les défis auxquels notre Église locale est confrontée. Le cardinal en a épinglé trois ici. C'est donc ensemble que nous allons les relever en mettant notre confiance en notre Seigneur, lui qui nous dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous confier le royaume. » Il est providentiel que l'acte liturgique de ces jours ait lieu le jour même de la fête de la transfiguration du Seigneur. La transfiguration du Christ, tête de l'Église qui est son corps, nous assure et nous rappelle que le corps entier, c'est-à-dire l'Église entière, doit se transfigurer. Cette grâce est en même temps notre mission. Aussi, j'ai dit, diocèse de Kisantu, rappelle-toi. La sainteté est ton nom. La sainteté est ta vocation. La sainteté est ta mission. Diocèse de Kisantu. Engage-toi. La sainteté, c'est accueillir la parole de Dieu et y demeurer. La sainteté, c'est vivre la parole de Dieu. La sainteté, c'est annoncer la parole de Dieu. Diocèse de Kisantu, souviens-toi, la sainteté c'est donner, la sainteté c'est se donner, la sainteté c'est pardonner. Diocèse de Kisantu, engage-toi, la sainteté c'est aimer Dieu, la sainteté
c'est aimer l'autre. La sainteté, c'est aimer la création. Pour terminer, je m'en voudrais. Ikite la mio, kutata nzambi, mumvutuamo, kulubokolo. Bouivouata ikineti, monokulu, et monokibeni. PVA. Kansi, kuna monompi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attaché à faire le bien. Amen. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.